Pourquoi est-ce que vous trompez vos copines quoi? On sait quels sont les fantasmes que les mecs ont. Que je m'occupe pas de sa vie personnelle quoi. Molly. Pardon. T'as pété? Non. Jolo, t'as pas pété? Je jure. C'est Blue Blue qui a pété? Ah, c'est pas moi là. Ça pue? Ouais, d'où? T'as pété, non, je t'ai vu! Non, c'est pas moi qui ai pété! T'as pété, tu viens de faire ça à la caméra! Non, commence pas ta vidéo comme ça! Elle fait une vidéo là! Tiens, ça commence! T'as vu que je réagis pas mal? Que ça me frappe? Je suis pas mal? Non. 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 On y va. Je t'écoute. Coucou tout le monde, c'est Idrissia. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va hyper bien. Et aujourd'hui, je suis avec Nanou. Je rêve ou la vitre elle est ouverte là? Ah non, je rêve pas. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, arrête de me regarder comme ça. Non, parce que je vais te péter, je vais forcer. Oh, t'es dégueulasse. Non, c'est pas rire. Non. Bon, du coup, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, il va répondre à toutes les questions que les meufs se posent sur les mecs. Tu es prêt? Are you ready? Voilà. Non, ça c'est est-ce que je... Are you ready, motherfucker? I am ready. Motherfucker, bitch. I'm ready. Arrête, comment tu parles là? Arrête de dire ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Ben, tu sais pas, ben voilà, ben tu dis pas. Ok. Voilà. Karma. Oh, en plus dans ta vidéo tu dis que t'es raciste. Alors là je crois que j'ai atteint le somnum de la somnomité, de la débilité de chez vous. C'est incroyable, je suis la dernière raciste sur cette terre. Oui parce que c'est une... Ma grand-mère est algérienne, mon père est pied noir, je suis d'origine algérienne. Il a les pieds noirs. Arrête chat. Oh, c'est drôle. Non c'est pas drôle. Oh, si. Alors et croyez-moi, j'ai que des amis qui sont maghrébines. Alors. Oh te justifie pas, t'es pas mais raciste. Mais je dois me justifier, mais sinon on m'insulte de raciste dans les commentaires, ça mais veut non, dire quoi ça? Laisse-les. À quel moment je suis raciste moi dans ma vie? Bah dab. Ça m'énerve. Alors du coup j'ai quelques questions dans mon téléphone. Donc j'avais fait le sondage sur Instagram de venir me poser vos petites questions. Du coup je les ai toutes notées dans mon téléphone. Donc toutes les meufs se sont révoltées pour se poser les meilleures questions du monde. T'as vraiment un problème. Je fais le robot. Tu viens de me cracher dans l'œil, c'était horrible. Non mais quelques jours j'apprends le robot. J'arrive pas à faire le robot. Vas-y, viens on fait ensemble. Non vas-y, fais ta vidéo là, je suis énervé. T'es énervé? Oui je suis énervé. Ok cool. Basmella. C'est le bon moment là. Ça veut quoi basmella? Alors note. Ça veut quoi basmella en commentaire, s'il vous plaît, merci. On part sur la première question. Pourquoi tu fais ça là? Ça me fait peur. Déjà, descends de sécurité parce que je vais prendre des tornades. Mais non. Allez, première question. Est-ce que vous vous la comparez entre vous? Compare quoi? Molly. Ouais, quand j'étais jeune, ouais, avec les potes, ouais, rigole, ouais. Enfin, non mais, là... attends, parce que là je comprends le truc, c'est encore une question que sur moi? Non, sur toi et tous les mecs. Tous les sur mecs, les okay. Mecs, est-ce que les entre mecs, vous, vous la comparez? Manifestez vos commentaires, on est ensemble. Et si tu lâches pas un pouce bleu à cette vidéo, demain, on sera plus ensemble. Et si t'es pas abonné, demain tu te réveilleras pas. Ça part trop loin. Ouais, mais c'est ça. Alors, réponds à cette question. Oui, on se la est-ce que les mecs, en général, vous la comparez? Oui. Et pourquoi? Non, mais ça dépend des mecs, il y en a qui sont pudiques. D'accord, et pourquoi vous la comparez? Bah, savoir que c'est que la plus grosse, la plus grande. Mais quoi, c'est drôle. Mais ça, j'ai fait ça quand j'étais petit, je fais plus voir si des fois en bois de nuit. Quand je suis bourré, je fais oh, quoi, oh, regarde. Tu vas me dire que ouais, tu fais ça bien. Quand on va en boîte et que moi je t'attends devant la porte devant une débile à attendre comme ça. Ouais. Et toi t'es là en train de comparer ta bite. Oh. Je pense, moi je suis comme ça quand je suis en boîte, c'est quand t'as bien bu, tu vois. Il y a un bon mur et t'as pas de WC nous. On a que des pissoirs. Et genre, tu sais, t'as la flemme, du coup tu passes peut-être contre le mur comme ça et tu bouges pas. Et t'attends, tu pisses et tu regardes, tu fais oh ouais, c'est vrai que ouais, nickel, ouais, c'est tout. Ok. Bah, question suivante. Alors, est-ce que quand vous êtes entre vous, vous parlez de meufs? Vous parlez d'amour, vous parlez de... Ouais, genre, quand on est entre potes, tu vois, putain, t'as le cul qu'elle a. Mais oh. Non, vous êtes entre nous, t'as dit quand on est entre nous. Mais oui, c'est normal, c'est humain, c'est les mecs. C'est vrai. Tu vois, putain. Là, je vous parle pas de... Enfin, si, je vous parle aussi dans la rue, mais est-ce que quand vous êtes entre vous en soirée, genre en mode soirée chez un mec, vous êtes que des mecs, est-ce que vous parlez d'amour? Non, si on fait soirée chez des mecs, on cherche à avoir des meufs aussi. Enfin, une soirée pour tout ça, quoi. C'est pas ça la question. Ah. Est-ce que vous parlez? Oui, on parle. Parler ça dépend des de mecs, meufs. Mais ça dépend des gens, ça. Oui, on parle de meufs. Oui, logique. Tu vois, t'as vu ça, je l'ai pesqué hier. Celle-là, ouais, je l'ai embrassé. Ouais, celle-là, elle est bonne et tout. D'accord, mais vous parlez pas d'amour. Genre, moi, toi, t'as une copine, tu vas pas dire, oh ben moi, je vis ça avec Idrissia, oh ben moi, Naomi. Non, mais tu racontes pas ce que tu fais avec tes collègues. Moi aussi, tu dis, ouais, Idrissia, ouais, c'est tout, quoi. Ouais. Non, en vrai. Non, en vrai, je sais pas, ça dépend des personnes, non, je pense pas. Moi, je suis pas comme ça. Si, je parle de mon couple, de temps en temps, peut-être que je fais pas exprès, ouais, t'as vu, truc sérieux, les vidéos, elles marchent bien sur YouTube et tout, voilà, vite fait, tu vois. Mais non. Ouais, que pour parler YouTube. Quoi. Ouais, YouTube, tranquille. Okay. Question suivante. Comment savoir quand vous êtes amoureux? Comment savoir quand on est amoureux? Nous, les mecs? Ouais. Comment est-ce que nous, les meufs, on peut ressentir qu'un homme est amoureux? Ah, je sais pas. Déjà, les mecs, ils pensent avec la bite et pas avec le cerveau. Non mais c'est vrai, faut se... Non, vous cachez pas en commentaire les mecs là. Là je vous vois direct que t'es la vidéo. Non, restez là les gars, suivez, faut assumer.
nous on pense avec la... Tu vois, et pas avec ça. Enfin, ça dépend des mecs, mais moi je sais que... Toi quoi? Bah moi aussi, moi je pense que t'es avec ça, mais... Comment ça, des fois? Mais des fois? Depuis mais... qu'on est ensemble, tu penses avoir d'autres mecs et tu penses à ça? Non, mais le mec... Non, pas comme ça, pas comme ça. Ça veut dire que nous, on ressent ça l'amour quand, je sais pas, la personne elle est bien au lit, elle est jolie... Physiquement, en fait c'est sur le physique quoi, c'est basé sur le physique. Ouais, franchement les mecs, c'est moi j'assume, ouais. Dégage ton pied là. Ça dépend des personnes encore une fois. Ok, Naniana, qu'elle est belle, mais que derrière elle a pas de cerveau, vous avez pas de discussion toute la journée, ça sert à quoi? Bah moi, il y a un bon point. Ta gueule, allez. Bonne olive. Question suivante. Pourquoi je suis tout seul là? Parce que t'es tout seul, je m'énerve. Pourquoi vous faites moins le ménage que les filles? Alors, une fois pareil, c'est suivant l'éducation des parents, suivant l'éducation de la famille. Moi je dis. Ça veut dire que t'avais reçu d'éducation pour faire le ménage? Si, j'ai reçu. J'ai reçu. Non, moi j'ai toujours une maman. Maman, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Allez, je vous. T'es la femme de ma vie. Je t'aime, maman. Et du coup, ma mère elle faisait tout pour moi. Genre, elle me faisait le lait et tout. Moi, je passais pour un putain d'enfant gâté, ça. Ouais, grave. Bref. Et du coup, moi quand je me suis retrouvé genre à 18 ans, quand je crée mon appartement, je me suis dit merde, je passe tout seul. Et là, je me suis dit, du coup, je me suis trouvé une meuf, comme ça, elle me fait le ménage. J'avais déjà une meuf. Et du coup, elle a tout fait à ma place. Mais, et puis ensuite, t'es tombé sur moi. Et ouais, du coup, bah, je galère parce qu'elle fait rien. Si, elle fait le ménage de temps en temps, mais. Non, c'est juste que je m'occupe pas de sa vie personnelle, quoi. Enfin, moi, je suis pas intrusif. Ouais. Bon, moi, question, ça n'est pas une fois de l'éducation, mais je pense qu'une femme, en 2020, elle est plus à sa place, comme on disait à l'époque. Genre, une femme reste à sa place, fait la cuisine, le manger, tout ça reste à la maison. Je pense qu'en 2020, même avant, même en 2000, je sais plus combien, bref, on s'en fout, mais. Il essaye d'argumenter! Je sais pas parler! Qu'est-ce que ça va? Non, en vrai, c'est comme, c'est les chiens, genre, c'est instinctif, tu vois. Genre, c'est. Je rêve qu'ils viennent comparer les meufs aux animaux! Question! Suivante! Vas-y, crache-moi dessus. Tu veux pas cracher dessus, c'est pas vrai. Alors, j'ai mal au boule. Qu'est-ce que vous ferez si vous devez être une fille pendant une journée? La première chose que vous ferez tous les mecs? Moi? Oui, je sais ce que tu vas répondre. Ouais, je vais me faire sauter par tous les mecs. Je serais une grosse pute, voilà. Je mettrais des gros maquillages, je mettrais des trucs pour rembourser. Comme ça, j'aurais des seins. T'es bas, j'aurais des seins comme ça. Voilà, comme ça là. Alors, moi, Doudou. Hop. Non, c'est pas. Elle a quoi? À Pamela Anderson. Comme ça. T'as dit quoi? Je me dessine comme en ça. En manodou? Non, manodou, mais je me suis trompé, c'est pas bien dire ça. Hé! Oh, ton numéro! Viens, viens! Tu as craché sur tes doigts pour essayer de s'y faire! Laisse la lèvre! Mais c'est une grosse meuf de quartier là! Ah oui, c'est bon la meuf! Allez, c'est bon, la question suivante! Question suivante! Alors, est-ce que le physique c'est plus important que la mentalité? Tu poses la question à moi. Tout dépend des personnes, encore une fois. Moi, je pense que le physique il est pour quelque chose. Ouais, physique. Je suis pas sorti qu'il est moche, c'est impossible. Ah, t'es bien sorti. Non. Non. Tu critiques pas mes ex. Attention. Tu critiques pas tes ex, tu critiques pas mes ex. Oh, mais toi, tu les critiques. Oh la mytho, je critique plus. Dis-moi l'oreille. Oui, bah oui, parce que voilà. Voilà. Oui, vas-y, vas-y. Allez, next. Question suivante. Est-ce que vous pensez qu'au sexe? Quoi, j'ai pas entendu la question. Au sexe? Bah, encore une fois, ça dépend des personnes. Mais moi, Oui. Ouais, oui. Lui? Non, c'est bon, me dévoile pas magique quand même, non. Si. Non. Lui? Je quitte cette vidéo. Allez, salut! Non, mais tu me dévoile pas comme ça! Lui, au début de notre relation, même alors. Oh, la fille, vas-y, ose me pointer encore une fois. Ose la force avec moi. Oui. Si tu sais très bien ce que c'est ça pour nous. Lâche que t'en fais. Aïe. Aïe, t'as tenu plus longtemps que moi. Question suivante. Pourquoi est-ce que vous dites vouloir des meufs naturelles, belles, sans maquillage, etc. alors que sur Instagram, je t'ai vu. De quoi? T'es ta tête là que t'as fait. Non, je suis en ah ouais. Sur Instagram, vous likez, vous trouvez canon des meufs alors, gros moi, cul, gros seins. Attends, like laisse-moi parler. Célibataire, tu l'as des gros cul, des gros seins, tu sais ce que tu veux. Célibataire. Ah, parce que c'est en couple, vous êtes là, vous préférez les meufs aux gros seins, gros cul. Non, mais en fait, on vous dit. Visage que... bien beau, etc. Alors là, je vais parler à la place des mecs. En fait, on vous dit, parce que en fait, vous êtes très belle, tu vois. Vous êtes très très belle. Enfin, quand t'es ta copine, je parle. Tu vois, t'es ta copine, tu te dis qu'elle est belle et tout. Et quand t'as les moyens d'avoir de l'argent, tu te dis un jour, peut-être que ma meuf refera les seins, refera un peu, tu vois, et trucs comme ça. Tu penses à ça, tu vois, quand t'es un mec. Après, pas forcément tout le monde. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est naturel. Genre, quand t'es pas maquillé, je t'aime bien comme si quand t'es maquillé, tu vois. Certes, je préfère maquiller, mais je me dis un jour, peut-être, autant Adricia, elle refera faire les seins, elle aura des seins comme moi. T'es
dégueulasse. Mais je me dis un jour. Mais juste pour ça, je me ferai jamais refaire les seins. Inch'Allah. En fait, tu veux que je me fasse refaire les seins. Mais non. Genre les miens que tu mais vises non, pas. Mais non, bah putain, elle comprend. Voilà, elle prend son cas pour une généralité. Bah non. Comme j'ai fait moi tout à l'heure. C'est exactement ce que tu m'as dit. Non. J'espère qu'un jour elle se refera les seins. On va arrêter cette vidéo. Non, je suis pas d'accord. C'était un exemple que je te donne. Non, t'es un mec a toujours espérance que sa meuf s'embellisse avec le temps, ce qui est normal. C'est pour ça que nous. Non, mais il y a une différence entre s'embellir naturellement, en se faisant refaire les seins et refaire le cul. Il y a une différence entre le naturel et la chirurgie. Ta gueule. Arrête de me baisser le pied. Vas-y. En fait, non. En fait, tu sais plus quoi répondre parce que tu sais que j'ai raison. Alors, les mecs, ils likent sur les photos sur Insta, tout ça, quand tu vois des meufs comme ça, ils disent ouais, elle est jolie. C'est vrai qu'ils likent. Mais en vrai, ils sont pas forcément obligés de sortir une meuf comme ça. Il y a d'autres mentalités comme question. Suivante. Au plus on avance, au plus je vais te fouetter. Ah ouais, moi aussi. Alors. Il y en a beaucoup ? Non. Oui, yes. Quels sont les fantasmes que les mecs ont en général ? Ah, ça y est, c'est toujours pareil en fait. Ça dépend des personnes. Je pense que le fantasme, c'est. Le plus gros fantasme que tous les mecs ont, je sais pas, prendre une meuf par derrière, se faire sucer les boules dans un lieu public, je sais pas. Ah bah toi, tu vas. Bah, non, je pense que tous les fantasmes de mecs, c'est deux meufs, froid. Ouais. Deux meufs ? Ouais, deux meufs à mec. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Si t'es d'accord, mets en commentaire, mais je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ton fantasme, c'est ça ? Mais pas à moi, mais voilà. Mais c'est une Elle repart à moi. C'est une question. Elle repart à moi. C'est une question. Est-ce que toi, c'est ton fantasme ? Mon fantasme, c'est mon fantasme. Mon fantôme, c'est toi. Fantasme. C'est toi. Jure-le. Oui. T'as que ça comme fantasme ? Oui, c'est toi et moi. Hein ? Ah ouais, attrape-toi comme tu peux. Question suivante ! Alors, pourquoi quand vous avez une meuf bien, vous allez voir ailleurs ? Bah, pourquoi est-ce que vous trompez vos copines, quoi ? Ça, c'est l'humain. Hein. Pourquoi est-ce que l'homme trompe ? L'homme et la femme, parce que la femme aussi. Ouais, l'homme et la femme trompent parce que c'est humain. C'est humain. Sur le coup, après, ça peut être mélangé des choses. Il peut y avoir l'alcool, il peut y avoir plein de choses. Ça dépend plein de choses. Après, tu peux même être amoureux. Et, ben, tu vois, on prend l'exemple de Benji et Alix. Ouais, par exemple, Benji, avec très très bien dans tous les marchés et tout ça, ouais. Et a réussi à tromper Alix, tu vois. Pour ça, ça dépend des personnes, ça peut être ton couple c'est des stables, c'est des pas stables, ça dépend si tu as même encore la personne au bout de certains temps ou pas, ça, plein de petits trucs qui fait que voilà quoi, okay. C'est plein de petits trucs. D'accord. Voilà. Ok, super. Bon ben. Je suis blanc de peau, hein. On va passer à la dernière question. Question suivante. Vous préférez faire le premier pas ou que ce soit la fille qui le fasse? Alors moi je préfère que ce soit la fille. Ah ouais? Ah ouais. Genre au tout début je préfère que ce soit la meuf qui fasse le premier pas. C'est rare que je fasse le premier pas. Mais premier pas pour toi, premier pas dans quel sens? Qu'il vienne te parler, qu'il vienne me parler. Sur Insta, sur Snap quoi, ou en boîte, ou en vrai. Je préfère que ce soit la meuf qui vienne me voir, parler, et puis voilà quoi. Ouais. Moi je suis pas un mec. Pourtant si je vais danser avec des meufs sur la piste ou quoi. J'allais danser avec des meufs sur la piste et tout. Mais c'est pas un mode voilà, je me dis que ça c'est. Sur les meufs de boîte, c'est pas du sérieux, tu vois, c'est une meuf, tu vois, là, bam, tu t'amuses, ouais, et bah, terminé, quoi, après. Voilà, bah, les couilles. Mais je préfère que ce soit une meuf qui vienne me voir. Ça dépend des personnes, ça dépend des mecs. Ok. Il y en a qui c'est très chouette, et là, ils sont ouf, tu vois. Ça, ils disent, oh, la mise, viens là, viens. Eh oh, viens là. Trop loin, oui, un peu trop loin là. Ben voilà, c'est fini. C'est fini. Ok. Oui. Eh ben écoutez, je vous fais des bisous. Tu peux rester là pour ma petite vidéo. À chaque fois, t'es gavant de partir. Ah ouais, mais je m'en vais là. Je m'en fous. Non, c'est bon, tu restes là. Je vous aime. Demain, si tu te réveilles pas, c'est parce que tu t'es pas volé sa chaîne. Voilà. Allez, salut. Bon du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'on aura pu répondre aux questions, même si cet homme qui était présent avec moi ne savait donc pas répondre à certaines questions. On va te faire foutre derrière en faisant genre tu me fais du rentre dedans à la caméra. Il était derrière comme ça, il faisait ça. Voilà, c'est tout pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? Du coup voilà, je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo.